Me voici au début de la randonnée Père d'Agave. Il a beaucoup plu hier, le terrain est un petit peu humide. Je suis avec la charmante compagnie de Air Royal Maroc. Alors, vous avez le droit que de parler arabe. D'accord. Je vous écoute. Alors, nous d'avant, ça nous déroule une randonnée. Si. J'ai tout compris. Venez. Oui, oui. On va arriver en haut là-bas à la pierre de la gare. Voilà. C'était magnifique. Voilà, voilà. Alors, vous comptez 2 heures à peu près. Je pense que le rythme est un peu plus lent qu'hier. J'étais avec des clients suisses hier. Ils ont l'habitude, eux, de marcher même sous la pluie. Bon, les conditions sont bonnes parce qu'on arrive dans une période estivale et la température qu'avoisine souvent les 38 voire 40 degrés fait que le rythme doit être souvent réduit. Je vais changer encore la caméra. Alors, on trouve des fruits par là, c'est des jacques. Il y a des noix à l'intérieur, c'est des fruits principalement pour les singes. Alors on a une première partie de parcours assez dure, c'était très physique. On passera après sur une partie plus technique. Mais là on va avoir droit à un Z pendant une demi-heure à peu près si on marche bien. Donc j'ai... Ah ben, il y a un singe là-bas. Alors ça, c'est la signalisation, comment dire, de la Transcarioca qui relie les 5 parcs jusqu'au pain de sucre, Gloumari jusqu'au pain de sucre, qui font à peu près 180 km. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure.